Salut YouTube! Je t'ai pas oublié cette fois-ci. Mets un thumbs up et un pouce bleu et un thumbs up, c'est la même chose, mais un petit commentaire sympa. Juste pour ça, juste parce que je t'ai pas oublié. On essaye de sortir de l'asile. Lui autorise l'accès, qu'est-ce qu'il veut qu'ils te disent? Pourquoi t'es pas en plein écran? Je te mets le jeu, hein, je vous mets le jeu. Il y a Twitch aussi, les pauvres. Il n'y a pas que YouTube. Hop là. Voilà. Sais même plus où on en était. On avait pas Ah si, on avait remis les fusibles, il faut aller en haut, et puis il y a le prêtre qui nous fait courir dans tous les sens. À un moment on était dehors, mais comme on est teubé, au lieu de prendre la fuite, on s'est dit, mais on va d'abord aller causer au père machin. Ouais, hein. On aurait pu se casser 15 000 fois, on nous a coupé les doigts et tout. Non, 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 un journaliste à la con qui veut des réponses à tout. Au lieu de sauver sa peau. C'est parti, j'ai fini de râler. On peut y aller. Follow the blood. Parce que c'est toujours une bonne idée, ça. Mais bon, je suis bien. C'est pour sauter toujours, ça, on est bien. C'est pour courir vite. Et nickel. C'est pas la caméra, ça. Ça non plus. C'était pas la caméra. Azazel. Là, la caméra. Il y a des piles? Là, une pile. Quoi ça? C'est moi qui respire, je me dis putain, il y a l'ascenseur qui bouge. Non, c'est mon perso qui respire. Laisse mes ballons. Mes monster ballons. Qu'on a fait avec les enfants. Mais vas-y aux chiottes! Pourquoi il faut toujours que t'alertes la terre quand tu veux aller aux toilettes? Tu y vas? Parce que je suis sûre que c'est pour ça. À force, je le connais. Hein, oui! Il va bien. Me dites pas, mon Dieu, mais. Ça se trouve, il y a quelque chose. Non, j'avais tout dit qui va bien. J'avais tout dit. Se cacher là en dessous? Ouais, je sais qu'il n'y a pas de matelas, il n'y a rien qui se cache. Sérieux, on reprend la sauvegarde, hein? Tu es moi? Ah non, c'est pas ça. C'est pas là où on était la dernière fois, où j'ai mis 400 ans à aller faire, à essayer de faire un truc. Comme tu dis. Salut! C'est Outlast, où on se chie dessus. Quoi?
Quoi? Quoi? Bisous. Et dis bonjour aux gens. Coucou. Est-ce que je me sers du prétexte de mon chat? Oui. Bon. Et t'as vu? On te répond. Parce que t'es le plus mignon. Eh oui. Je sens que je vais morfler moi cette nuit. Vu sa tête. Oh mais j'en t'es fort, tu petit chou là. Hop là. Reste sage, je flippe déjà assez comme ça de ce qui se passe dans le jeu, s'il te plaît, n'en rajoute pas. Moi je vous dis, oh putain, vas-y, on peut se cacher. C'est-à-dire qu'il va y avoir un cinglé. Ah, oh, ça va, je suis revenue. Hein. Et en fait, j'étais obligée de tomber là-dedans. Ils les ont, l'ont fixe. Ça peut pas être une petite balade de santé après tout ce qu'on a vécu. Je sais pas, moi, un petit truc sympa. Ah, voilà, de la lecture. Ça, c'est bon, la lecture. Ça met les gens en pause comme ça, la lecture, et on se sent mieux. Tu m'avais promis, je sais pas quoi. Extrait du journal intime de Shirley Pierce, patiente de l'hôpital psychiatrique de Mount Massive, 1952-1964. Pourquoi ne réussis-je pas... Putain, si j'étais pas aussi crevée, j'arriverais mieux à lire. Pourquoi ne réussis-je pas à me rappeler d'où viennent les coupures? Elles sont tellement douloureuses, mais après plusieurs jours. Même après plusieurs jours. Le docteur Newhouse me dit que c'est de ma faute, que mon subconscient résiste à l'hypnothérapie. Mais j'ai tellement envie d'aller mieux que je ne vois pas pourquoi je m'affligerais une chose pareille. Le docteur Newhouse dit que c'est une autre... caractérisé de mon hystérie due à la chambre. Pauvre Bruce, je le fais tant souffrir. J'ai essayé avec tact de demander à Madame Jackson si elle avait le même genre de problème avec son mari, mais elle répugne à en parler. Son mari a lui aussi trouvé le réconfort auprès d'une femme plus jeune. Ah là là. Je sais que les médecins ne veulent que notre bien et que grâce aux agents gouvernementaux qui ont rejoint le personnel, je ne peux espérer être mieux soignée, pas soulagée. Je vais prendre mes pilules et m'endormir en espérant faire des rêves moins désagréables cette nuit. Tu veux pas écrire un peu plus? Vous m'aviez promis un jardin de roses. Ah, je viens de tourner en rond. Il faut que j'aille dans sous ça. Tranquille.
c'est l'autre machin, le machin rider, je sais plus quoi, là. Ça fait 2 semaines, hein, j'ai un peu oublié. Il veut pas me posséder et qu'on en finisse? Pas lui, là, la fenêtre? Allez, faut pas le suivre. Mensonge? Qui ment? Qu'est-ce qu'il a foutu? Qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que t'as encore foutu? C'est pas vrai, je flippe déjà à cause du jet, puis maintenant j'ai l'autre là qui a décidé aussi de... Psst! Qu'est-ce que tu fais? Mais tout va bien, 81, tout va bien. Pas encore. Je peux pas avancer, ok. Si tu veux essayer de me tuer. Ah oui, c'est de là où je viens, ça. Mais non! On va pas y arriver. Oh, allez. Il a pas fermé. J'ai cliqué et il a pas fermé. De toute façon, ils peuvent venir par là et moi je. Écoutez, hein, s'il faut mourir. Hein. Tony, monsieur, et nous on est sur Twitch. Sinon, fais comme la dernière fois avec Walker. Je fonce. Merci.
ça passe. Votre avis? J'essaie de savoir si j'entends des bruits de pas qui reviennent. Que la musique elle aide pas à entendre. Ça revient. Il tourne en fait. Ils font des bruits de chaussures. J'ai les mains moites. Les mains très très moites. Un petit coup de café là. Pas par là. S'ils vont ouvrir la porte ou si j'ai temps de regarder un peu.
peace. God must spread by the word. C'est stable tout ça. Maintenant, j'ai besoin d'un café. Oh, mais quel abruti, il a lâché son caméscope. Attendez, c'est mon me-jeu. Qu'est-ce qu'il dit, le me-jeu? Parce que je... Parce que je flippe en stream. Oh là là, mais qu'il est bête. Il a lâché son caméscope. Ah super. Merci. Pourquoi il s'est mis à respirer comme ça? Azazel, qu'est-ce qu'il y a? Oh là là. Oh, voilà. Oh, 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 la pose tes fesses là. Qui bonheur. Thank you.
quand c'est pratique, tout d'un coup, dans toute l'asile, il y a de la lumière. En fait, même si on n'est pas fou dangereux de base, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, quand on vit là-dedans, on le devient, quoi. Pas bien un caméscope. Vous êtes gentils. Normalement, ceux qui étaient assis, ils étaient gentils. Écoutez, chacun vit sa folie comme il l'entend. Tant moi, ça me regarde pas. Tant que vous me laissez tranquille. Plus. Récupère ta caméra. Passe le bras. Ferme les portes, Ori. Je veux pas retourner par là. Foutez-moi la paix. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Non. Pourquoi ? Parce que j'ai le... J'ai paniqué, j'ai laissé mon doigt appuyer sur la touche D. Voilà. Je crois qu'on se retape tout. Non, ça va. C'est gentil. Je vais voir les deux abrutis là. En plus, ils sont pas deux, ils sont trois. Qu'est-ce qui m'est pas arrivé là ?
la même connerie que tout à l'heure. Ça, c'est pas drôle. Bouge-toi. Mais sérieux, mon bonhomme, il est même pas foutu de pousser les autres, quoi. Ils sont trois. Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? Ils sont trois. C'est pas par là qu'il faut que j'aille. Dans la cuisine? Je veux pas que ce soit dans la cuisine. Et là, ça me fait forcément aller là. Écoutez, de toute façon, on est mort déjà 30 milliards de fois. Hein. Écoutez, on va visiter un peu. Hein. Pour le moment, il n'y a pas de porte. Mademoiselle, soit tu t'en vas, soit tu restes, mais tu vas pas faire ça tout le temps. Tu vois bien que je fais un truc et que ça me stresse. C'est pour ça que tu fais ça d'ailleurs. On retourne par là du coup. J'imagine. Ah! Sérieux, hein, tout ça pour rajouter un petit truc de flippant en plus. Tu veux pas venir avec moi? T'as l'air sympa, toi. How do you know you're not a patient? Tu
c'est le plus sain d'esprit que j'ai jamais vu ici. Putain, il y a un autre pote qui est revenu là. On va voir qu'il tienne froid. Lui, il est là d'abord. Il veut pas aller faire autre chose de sa vie. Ces chaînes. Le mieux c'était d'attendre qu'ils reviennent, qu'ils passent par là et après je fonce. Ah.
un autre chemin où il passe. Merde. Je crois qu'il y avait un autre chemin encore plus proche là. Oh merde. Parce que pour nous courir après, il est rapide, hein. Et là, bon. Du coup, peut-être quand il entre dans la pièce de gauche. Non, c'est bien là. Commence. Et merde. Pas comme ça, non. Pour moi, c'était là. Et ben, c'est pas là. Adieu, bande cruelle. Et là, j'ai envie de dire... À quoi ça t'a avancé, Walker, de faire ça? Est-ce que tu te sens mieux? Du coup, on sait que c'est pas au bout. C'est pas encore déclenché, c'est ça? Ça paraît une bonne idée là. Et là, je regarde souvent mon petit fantôme voler, ça me rassure. J'ai pas eu beaucoup de temps pour y aller quand il était là. J'ai pas beaucoup de temps, jamais en fait. Dans ces coins. Bon, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas au bout. Ah, c'est pas tout au bout, tout droit. C'est un des deux autres côtés.
non plus. Et vous parlez que c'est la porte où j'ai pas testé, là où il y a l'étage de sensule. Il va venir défoncer la porte. J'entends ses chaînes. C'est fait pour être détendu les jeux vidéo normalement. J'avais la possibilité de sortir. Je peux pas. Ouais, je peux pas sortir en fait. Il est fort. Pas là du côté, pas là du côté, pas au bout, pas là du côté et là non plus. C'est la porte au milieu. Ah, ok, je vais. Sauf que c'est même pas la porte au milieu et donc je sais absolument pas où il faut aller. Et pourtant j'ai vu un esprit complet de ça il y a quelques années, je me souviens absolument pas de ce passage. Je vous comprends, je vais vous dire. Traduit de l'allemand. Je dis j'ai même autant j'en ai un peu partout là. Ah, Berlin 38, 6 septembre 38. Reichsleiter, l'honneur. Ex-docteur Medrogue. J'ai des nouvelles urgentes concernant les travaux en cours du docteur Rudolf Wernick à propos du moteur morphogénique
qu'il développe à partir des théories issues de ses brèves et malheureuses relations avec A. Turing. Si je n'y avais pas assisté en personne, je n'aurais jamais cru au récit de ce qui s'est passé. Mais au-delà des promesses en matière de régénération cellulaire et de cancérogénération guidée, je pense que la méthode du docteur Vernick a ouvert une brèche vers le domaine spirituel. C'était pas le moment. Comment tu vas? Quelque chose l'a franchi depuis l'autre côté. J'ai personnellement assisté à une apparition brève, certes, mais irréfutable. Veuillez transmettre à Dietrich Eckart mon message et mon invitation à prendre part à d'autres expérimentations. Je pense d'ailleurs qu'il conviendrait de mettre le Führer... Der Führer... en personne au courant de nos découvertes. Je crois que les succès du docteur Vernick représentent une excellente opportunité pour notre cause et pour le peuple allemand tout entier et constituent manifestement des raisons de le tenir à l'écart de tout programme d'élimination. Salutations à votre famille, signature illisible. Ah, oh, ce sacré signature illisible. Je connais cette porte. Beau avec ce jeu, c'est quand on a l'impression qu'on arrive à la fin, en fait c'est jamais le cas.
deux doigts. On m'a coupé deux doigts. Et après ça, mon perso, même après, une fois qu'il était dehors avec ses deux doigts en moins, il s'est dit « Non, il faut vraiment que j'aille voir ce que veut me faire Martin. Je pars pas tout de suite. » Mais oui, mon gars, mais oui, t'as raison. Ah, les jeux d'horreur, c'est de la logique, vraiment. Je crois que lui, il est dead. Hein. Pas l'air d'aller non plus. Merci. Exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Clear. Ça dérange si je regarde. Subject Dr. Rudolph Wernicke, 14866. The fumes are real. There was no alteration to the footage at all, no trickery? None. In June of 1943, you recorded three instances of spontaneous bleeding. A half a dozen test subjects began to develop brain tumors. Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure dead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. Configure ça. You have to find Wernicke. Only way. Site nécrose entre vous, ça c'est pas bon ça. Pense à te laver les mains. La bactérie mangeuse de chair, elle est... Ah, elle est 19 septembre 2013. Grant a écrit facite nécrosante, c'est vrai, putain, je démissionne. Ah bah tu m'étonnes, hein, la bactérie mangeuse de chair, je peux rien faire contre. Ce qu'ils ont dit dans le Dr House. La clé, gars. Ah, d'accord, en fait. Oh putain, il a le pouvoir de verrouiller les portes en les claquant au nez des gens. Ou alors, c'est mon perso qui a vraiment une force de mouche. Thank you.
sûr que tu veux pas ouvrir cette foutue porte au bout d'un moment. Le type, il est enfermé avec des fous. Il y en a qu'un là qui lui claque la porte au nez. J'arrive pas à ouvrir la porte. Faut que je fasse le tour. Putain, je te jure, Mongol, toi aussi on devrait t'enfermer avec tout le monde là. Sérieusement. Alors je veux bien, voilà, c'est celle-là, voilà. Voilà. Mais quand même, quoi. C'est même pas celle-là, c'est l'autre là-bas. Comment je vais là-bas, moi? Être journaliste, c'est vraiment la passion du métier, quoi. Allez, pile. Se fout de ma gueule. Ça c'est Walker, ça. Ça. J'ai l'impression que le script il s'est pas déclenché, moi je sais qu'il est là. Thank you.
vu en face? Notre pote. De nos potes. Mais t'es gentil, toi? On y est. Bonjour. Voldemort. L'évangile de Judas. Ah, je suis un supplicateur indigne qui ne peut servir notre Seigneur qu'en le nourrissant. Je vous en prie, prenez-moi Wild Rider, c'est ça, Wild Rider. J'ai oublié. Comme un apôtre du berger y assiste et le propage par ses mensonges au service de la vérité supérieure, votre temps en ce monde est venu. Ma chair réclame votre magnifique spectre. Mon sang est rempli de vous et attend d'être libéré. Telle est ma prière, écrivez votre évangile dans ma chair. Pinesse. Thank you.
ça a l'air cosy chez vous, hein. Après tout ce que j'ai vu. Il y a moyen qu'ils descendent. We will join the wall rider in just a moment. Père Martin. My job. You alone shall escape the tower. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together, we will be free. Comme vous voulez, hein. Moi j'enregistre, ça tourne. I fix the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. J'arrive pas à croire que le Père Martin ait fait mieux que Jésus-Christ dans le genre mort pourri. Sympa. J'arrive pas non plus à croire qu'il va me manquer. Une sortie. S'il a dit la vérité, j'ai maintenant un moyen de sortir et une histoire à raconter. Il vaut mieux que je répande son évangile. Putain, je vais tout balancer au monde entier. Tu mords pas avant, mon gars. Mais vous êtes bien aimable, mes chers. J'imagine que Walker va pas nous laisser faire comme ça. Putain, mais il a mis 400 ans aussi à venir. Oh merde, il est là. Oh putain! Et maintenant tu fermes la porte, toi. Faut que j'aille. Non, mais t'es lent aussi.
Putain. Mais... Je suis coincée. Walker, tu peux attendre, je suis coincée. Ah. Jafar, je suis coincée. J'ai trouvé. J'ai le palpitant. Ouais. J'aurais pu fermer la porte. Je sens que je vais regretter d'attendre. Je me disais aussi, mais putain, le jeu, ils se foutent vraiment de la gueule des joueurs, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Autant mourir congelé. Voilà. Dossier personnel de Wernick, Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley. Publié anonymement en 1818, extrait du chapitre 23. Il est très bien comme livre, je vous le conseille. Moi, je l'ai même lu en VO, c'était super. Un peu long parce que je l'ai encore un peu lentement en anglais, mais surtout de l'anglais pareil. Mais vraiment sympa. Monsieur, m'écriai-je en dépit de l'orgueil de votre savoir, comme vous êtes ignorant. Assez, vous ne savez pas ce que vous dites. Furieux et troublé, je me séparai du magistrat et me retirai aussitôt chez moi pour réfléchir à un autre moyen d'action.
vous sentez que c'est la grosse ombre noire qui a fait ça et que de toute façon, on va mourir, hein, voilà. Café. Post-mortem variante. Projet World Rider. Compte rendu préparatoire post-mortem. Ouais. Tous les documents inclus doivent être inscrits et revus selon les directives des archives de la Murkoff Corp pour le formulaire 1083. Rédacteur Jennifer Roland. Ma 14e autopsie d'un patient Wild Rider. Il ne se présente pas davantage de signes d'acceptation de la thérapie que les précédents. Quelques progrès en matière de migration cellulaire et de morphogénèse, y compris des effets similaires à ceux de l'hormone de croissance humaine, mais aucune trace de création stable d'un essaim pensant. Indépendant. Je suis épuisé, je doute de mon jugement. Je vais présenter une autre demande de congé. Le coût psychologique du recours à des patients aussi déséquilibrés et incontrôlables devient trop élevé pour moi. Je songe à suggérer de s'éloigner des hypothèses échevelées d'un nazi sénile pour employer un moteur mécanique plus simple fondé sur une protéine majeure du sperme. On dirait tant. Et je vais réclamer une sédation chimique plus intense. La sécurité de Murkoff a tué le patient 921 lors d'une crise alors qu'on lui avait administré assez de tranquillisants pour endormir une équipe de hockey. Je crains que la thérapie hormonale n'interagisse avec la sédation de manière contre-productive. Que c'est charmant. Et splash! Le tien va faire splaf. En question, cette lumière était déjà rouge ou elle est rouge à cause du sang? Pourquoi il n'y a plus de lumière? Je dois faire quoi moi contre ça? D'accord. Ça c'est bien ce Wall Rider. Merci.
peur du soldat. Comme ça qu'on meurt mise en pièces de l'intérieur en regardant sa moelle se répandre sur un mur en béton. T'as réussi à échapper à un enfer, Chris Walker. Et j'espère que t'en as pas trouvé un autre, putain. Du coup, j'y retourne. Hein. C'est le vieux nazi sénile dont parlait le docteur Jennifer Roland. It's the natural function of cells to produce molecules, but through psychosomatic direction, we engineered the precise molecules necessary. Mind over body. It was foolish and wrong to think we could control it. To use madmen to make something so strong. Quelle idée aussi. You have to stop him to murder Billy. Turn off his life support, his anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of this place while he lives. You must kill him. Laboratoire principal. They achieved something like this in 1944. Those fascists thought it was spirits. And I let them believe it. Let them. T'as pas dû bouger. C'est quoi le laboratoire principal, c'est ici? Vieux schnock. Hey, Emily, c'est ton père qui m'envoie. Utile dans les boyaux. Oh.
surtout y mettre que je puisse me cacher, mais je pense que ça servira à rien contre lui. Sincèrement. Et je fais quoi avec lui? Parce que je me dis que Walker, ça peut vraiment exister dans la vraie vie, en fait. Alors que là, Billy, bon, bah... Désolé, Billy, hein, mais... Dans d'autres mondes, t'es pas très réel. Personne ne le sort vernier. Frankenstein, le premier thème moderne, extrait du chapitre 4.
Apprenez, sinon par mes préceptes, du moins par mon exemple, combien il est dangereux d'acquérir le savoir et combien est plus heureux l'homme qui croit que sa ville natale est le centre de l'univers et qui n'aspire pas à dépasser ses limites naturelles. Oui, il est là. On voit ce qu'on a fait du monde, on se dit qu'il fallait peut-être mieux pas trop évoluer. Dans un jeu vidéo quand même, ou alors peut-être qu'avec un vrai coup d'adrénaline c'est possible, mais tout ce que j'ai couru et que j'ai monté comme escalier, je peux vous dire que c'est pas facile. Oups. Veuillez trouver ci-joint le formulaire portant autorisation de procédure relative au patient William Hope du programme caritatif de psychiatrie Murkoff de l'hôpital de Mount Massive, Colorado, États-Unis. Forcément. Il s'agit d'un formulaire standard et toutes les mentions obligatoires ont été signées. Il semble que Billy ignore le récent arrêt cardiaque dont a été victime sa mère. Et Billy, alors c'est une vraie personne? C'est pas le Wall Rider qu'on surnomme Billy? Il se soumet à la thérapie de l'espoir compréhensible mais infondée. Un versement de subside à sa mère et la contribution à son église. Bernick, qui a lu les compte rendu des rêves de ce garçon, pense qu'il présente un potentiel thérapeutique considérable. Ah, des trucs sur Billy et du coup, enfin bref. Activer la sécurité de la capsule de survie de Billy. Ah, c'est lui Billy. Donc. Ah!
On va trouver. Le problème, c'est que j'ai pas le temps de regarder. Alors moi, si je me prends les pieds... Capsule. Mais vous savez dans le chat, hein, les deux qui sont là. Qu'est-ce que j'ai raté? Un dossier. Il n'est pas encore répertorié. Voilà. Afin d'éviter tout dommage aux patients, la capsule de survie de moteur nécessite une inspection quotidienne de l'ensemble des systèmes vitaux. Le perfluocarbure oxygéné enrichi du réservoir. Le perfluocarbure oxygéné enrichi du réservoir de fluide de maintien de vie doit être continuellement purgé et remplacé pendant toute la durée du traitement du patient. Note, le PO fournit également des anesthésiants. Et toute interruption ou baisse de débit peut infliger au patient une souffrance susceptible de perturber l'expérience. Somme vitale 2. L'alimentation électrique est complétée et assurée par le groupe électrogène du labo souterrain. Le niveau de carburant et la maintenance du groupe électrogène du labo souterrain doivent être vérifiés toutes les heures. En cas de panne critique des systèmes vitaux 1 et 2, la sécurité de la capsule de survie s'enclenchera et assurera un maintien de vie minimal et local jusqu'à l'arrivée des techniciens. La désactivation de la sécurité entraînerait le décès immédiat du patient. Sécurité entraînerait la désactivation de sécurité.
paysanne et un bon gros dodo. Et ça ira. Positif. Walker, on a aussi bien pris dans la mouille. Qu'est-ce qui nous a fait chier, lui, punaise? Et comme qui dirait, comme j'ai dit à la fin, tout ça pour ça, putain. On s'est fait chier, on est devenu l'autre et tout. Une balle, plus rien. J'attends de voir si à la fin il y a un petit truc ou pas. On sait jamais. Hein. Même si on a bien compris que le Wild Rider, là, à la fin, il a buté tout le monde. La musique aussi, elle est partie. Pour leur support, pour leur soutien. Petit problème de traduction, je pense. Mmh.
Oui, non, peut-être. Petit message, merci d'avoir joué. Ou pas. N'hésite pas à dire ce que t'en penses à YouTube dans les commentaires. De la prestation lamentable et de moi qui flippe. Au moindre bruit. Mais je pense qu'on n'aura rien de plus et là ça charge plus là en fait. Oui. Eh ben c'était bien sympa YouTube. On est coincé donc pour l'instant l'enregistrement il continuera, t'es avec nous voilà. Je te garde en otage. C'est intéressant. Bon. Alors ça c'est beau. Bon, j'ai bon. Bon bah YouTube, on va pas te garder en otage plus longtemps, je peux te dire au revoir. Donc n'oublie pas de mettre un thumbs up et un gentil petit commentaire et peut-être une petite pensée finalement aussi à ce cher Walker. N'hésite pas à lui dire si tu l'aimais bien.